Nous allons lire dans Luc chapitre 1. We're going to Ruth chapter 1. Je vais prendre ma version en français. Ruth chapitre 1. La Bible nous dit que dans ce livre des Ruth, on nous parle de l'histoire de quelqu'un qui avait montré la foi et la détermination. And it was a person that showed determination and also faith. Ruth était bénie. And Ruth was blessed. Mais sa bénédiction, on ne peut pas la comprendre si vous ne lisez pas son histoire. And her blessing, you cannot understand if you don't read her story. Amen. Amen. Donc c'est important de lire l'histoire de Ruth pour que vous ayez une idée sur la vie de Ruth. It's important for you to read the story for you to understand her life. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. In the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came up in the land. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. So a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and two sons with him. Amen. Ici, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle. On parle de Ruth dans ce livre, mais avant qu'on puisse aller dans les détails, Here they're talking about the roof, but they're giving us the details earlier before we go into full details. On parle, c'est pendant la période des juges. They're talking to us about during the period of judge. Parce qu'il est arrivé à l'époque en Israël où il n'avait pas un roi. Because there was a time in Israel where there was no king. Et les juges dirigeaient. And there was a judge that was ruling the country. Et pendant cette période, c'était la période des hauts et les bas en Israël. And during that period, there was a period of what is up and down. Et c'est pendant cette période-là, on nous dit qu'un homme de Bethléem a quitté la Judée pour aller à Moab. And that's what the Bible says, that there was a man from Bethlehem left his place to go to another place. Je sais que Bethlehem, c'est la maison de pain. I know Bethlehem is a place of bread. C'est ça la signification de maison. Bethlehem, c'est la maison de pain. Bethlehem means the house of bread. Et Bethlehem a beaucoup de promesses dans la Bible. Bethlehem has a lot of promises in the Bible. Mais la Bible nous dit que pendant cette période, but the Bible says during this period, il y avait la famine. There was a famine. Et un homme a décidé de quitter le pays pour aller dans le pays de Moab. And a man decided to leave his country to go in the country of Moab. Il a quitté avec sa femme. He left with his wife. Avec ses deux fils. With his two sons. Ils sont partis dans le pays de Moab. They went to Moab's country. Et quand vous parlez, quand on regarde dans la Bible, quand on parle de Moab. In the Bible, when le peuple, il vient de la descendance des enfants de Lot. The Bible when it speaks about Moab, they come from the generation of Lot. Donc ils étaient. Quand on associe les Moabites, on les associe aux gens du péché, les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui sont éloignés de la présence de Dieu. People from Moab, those people that they didn't fear God, they didn't respect God, they just had their own ways. Mais pendant ce temps-là, on nous dit que cet homme a quitté Bethlehem et Frata, il est parti dans le pays de Moab. But they're telling us here in the Bible that he left Bethlehem and he went to the country of Moab. La Bible nous dit que son nom était Elimelech. The Bible says his name was Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. And his wife was called Naomi. Amen. Et il avait deux fils. And they had two sons. Maclon et Kilion. And Maclon and Kilion. Tous ils étaient d'Ephrata. And all of them were from Ephrata. Et la Bible nous dit que Elimelech était marié à Naomi, mais quand ils ont sont déplacés dans le pays de Moab, il est mort. And the Bible says Elimelech was married with Naomi. Et quand ils se sont déplacés, when they left Bethlehem Ephrata to go to Moab, malheureusement, and regardless, ils sont morts là-bas. And they passed away there. Elimelech est mort. And Elimelech died. Deux enfants sont morts. And his two children died. Et Naomi est restée. And Naomi stayed. Avec le mari. With Ruth, et la femme
and also the kids of Elimelech. C'était un choc pour Naomi. It was a shock for Naomi. Et la Bible nous dit que Naomi avait pris la décision de rentrer à Bethlehem. The Bible says Naomi decided to make the decision to go back to Bethlehem. Et quand il a décidé de rentrer à Bethlehem, when he decided to go back to Bethlehem, Naomi était tellement choquée. Naomi was very shocked. Pourquoi? Parce que elle a disait que j'ai tout perdu. And because she said, I have lost everything. J'ai perdu mon mari. I have lost my husband. Et j'ai perdu mes deux enfants. And I have lost my two children. Naomi pleurait. Naomi was crying. Elle pleurait devant Dieu. She was crying in front of God. Il y a une leçon que nous devons apprendre dès le départ de ce passage. There is a lesson that we should learn from the beginning of the scriptures. Naomi était dans une Naomi was in a good environment, in a nice country. Je sais que la famine était là. I know there was a famine. Mais ils étaient à Bethlehem. But they were in Bethlehem. Ils étaient dans la maison de pain. They were in a house of bread. Mais comme il y avait la famine, because there was a famine, ils ont décidé de quitter. They decided to leave the land. Et quand ils sont partis dans ce pays de Moab, and when they went to the country of Moab, Dieu a visité. And God visited Bethlehem. Ils ont entendu and they heard que Dieu a visité notre pays. That the Lord has visited the country. Dieu a visité le pays. God visited the country. Ils avaient décidé de rentrer. And they decided to go back. Il arrive des moments dans nos vies. And it becomes the time in our life où Dieu te bénit. Where God blesses you. Dieu te donne les opportunités. God gives the opportunities. Dieu te visite. God visited you. You worship him. You are happy. Mais vas-tu continuer à adorer Dieu quand la sécheresse, quand la famine arrive? But are you going to carry on praising the Lord when the famine arrives? Et quand cette famine arrive, when the famine arrived, vas-tu rester là dans la présence de Dieu ou tu vas aller dans le pays de Moab? What do you do? Do you stay in the presence of the Lord or you go in the country of Moab? Cette famille avait décidé de quitter. This family decided to leave. Mais quand ils ont quitté, and when they left, ils pensaient que quitter Bethlehem serait la meilleure décision. Therefore, leaving Bethlehem was the best decision. Mais quand ils sont partis à Moab, when they went to Moab, la mort était là. Death was there. Il y avait la mort qui avait attrapé la vie de Elimelech. There was death that got Elimelech and his two children. Et cela choquait Naomi. And I shocked Naomi. Ça l'a choqué davantage. And he shocked her in advantage. Mais quand elle a appris que Dieu a visité son pays, and when she learned that the Lord had visited her country, Naomi n'est pas restée à Moab. Naomi did not stay at Moab anymore. Amen. Amen. Naomi n'est pas restée à Moab. Naomi did not stay at Moab. Quand même tu commets une erreur dans ta vie, even when you commit a mistake in your life, quand tu tombes dans ta vie, even when you fall in your life, quand tu régresses dans ta foi, and when your faith reduces, si Dieu te parle, if the Lord speaks si to Dieu you, te visite, if the Lord visits you, mon frère, ma soeur, my brother and sister, prends la décision de Naomi, make a decision of Naomi, pour dire, je rentrerai à la source. To say, I am going back. Je rentrerai auprès du Seigneur. I am going back to the Lord. Je rentrerai là où je suis. I am going back where I was before. Aujourd'hui, nous vivons une réalité tellement forte dans la vie chrétienne de beaucoup. Today we live in a different reality in our Christian life. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu. There are children that are children of God. Qui avaient le feu de Dieu. Who they had fire for God. Qui aimaient le Seigneur. Who they loved God. Et Dieu était avec eux. And the Lord was with them. À cause du monde. Because of the world. À cause de tout ce qui est en train de fléchir. And based on the thing that's presenting in front of people, ça peut être le média. It could be this media. Ça peut être les amis. It could be friends. Et les gens décident d'aller suivre cela. And people decided to follow that. Mais quand tu as décidé de suivre ces mauvais conseils, and when you decide to follow the bad influence,
Quand tu as décidé de suivre ces mauvais advice, ces conseils mauvais auprès de l'ennemi. When you decide to follow bad advice close to the enemy. Fais comme Naomi avait fait. Do as Naomi said, did. Quand Dieu l'a rappelé pour dire, j'ai visité le pays. Naomi a décidé de rentrer. When the Lord reminded Naomi, and Naomi went back to the country. Et quand elle est arrivée là-bas, when she arrived back, elle avait vu que Dieu avait visité le pays. She saw that the Lord did visit the country. Amen. Amen. Il y a une deuxième leçon si nous allons au verset 8. And when we go to verse 8, nous voyons Naomi qui est en train de parler avec ses Naomi speaking to her daughters-in-law. Ouais. Naomi dit à ses belles filles. Naomi says to her daughters-in-law. Verse 8. Naomi dit à ses deux belles filles. Naomi says to the two daughter-in-law. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Go back to your mother's home. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme il avait fait envers ceux qui sont morts et envers moi. And may the Lord reward you your kindness to your husband and to me. May he bless you with security and another marriage. Verset 9. Verse 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. May the Lord bless you with a secret, another husband. Then she kissed them goodbye. They were all broke down and wept. Yeah. Elle se levait les voix et pleureur. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. And they said, we want to go with you to your people. Naomi dit, Naomi replied, retournez ma fille, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Why should you go with me? Why should you go on with me? Can I still give birth to your other sons who could grow up to your husbands? Verse 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand c'est lui-même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour que cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Then, now, my daughter, return to your parents' home. For I am too old to marry again, even if it were possible, and I were to get married tonight and bear sons. Possible, were I to get married tonight, bear sons, then what? Would you wait for them to grow and refuse to marry someone else? No, of course not. My daughters, things are far more bitter for me than for you. Because the Lord himself has raised his fist against me. La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. The hands of the Lord, the fist is against me. Verset 14. Et elle levait la voix et pleurait encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. And verse 14, and again they wept together. Oprah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung tight to Naomi. Amen. Amen. J'aime la décision de Ruth. I love the decision of Ruth. Je sais que les circonstances étaient claires que ces deux jeunes filles devaient rester. I know the circumstance was clear. Those two young women should have stayed there. And nobody could condemn them based on that decision. Because the husband passed away. And they were not Israelites. And they are from Moab.
That's where they were born and that's where they were raised up. Mais Dieu voulait faire passer un message à toi et moi. But God wanted to pass on a message between for you and me. Naomi a insisté pour dire, je ne saurais pas rester ici dans votre pays. Moi, je vais aller dans votre pays. Naomi said, no, you stay here in your country. I will go back to my country. La Bible nous dit, the Bible tells us, Orpa, qui était sa belle-fille, a décidé, et elle a baissé Naomi, et elle est restée. And Orpa, who decided to give Naomi a kiss and a goodbye, and she decided to stay. Mais Ruth a refusé, elle s'est attachée à Naomi. But Ruth refused and she clung onto Naomi. Naomi, au verset 15, elle a dit à Ruth, in verse 15, Naomi, Naomi dit à Ruth, Naomi said to Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. She said to her, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Retourne comme ta belle-sœur. You should do the same as her. Ruth répondit, but Ruth replied, ne me presse pas de te laisser. Don't ask me to leave you. De retourner loin de toi. Turn back wherever you go. Où tu iras, j'irai. Wherever you go, I will go. Où tu demeureras, je demeurerai. Wherever you will live, I will live. Ton peuple sera mon peuple. Your people will be my people. Ton Dieu sera mon Dieu. Your God will be my God. Où tu mourras, je mourrai. Wherever you die, I will die too. Et j'y serai enterré. And I will be buried there. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient de me séparer de toi. May the Lord punish me severely if it allow anything death to separate us. Amen. Amen. Quelle détermination dans la vie de Ruth. What a determination from Ruth. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de prendre certaines décisions des fois. In our Christian life, we need to make certain decisions. Ça peut être lié à ta santé. It could be based on your health. Ça peut être lié à tes projets. It could be based on your projects. Ça peut être lié à ta relation avec Dieu. It could be based on your relationship with God. Mais tu as besoin d'une décision. But you need to have a decision. Tu as besoin d'une décision. You need a decision. Déjà, la conversion, c'est la meilleure décision que quelqu'un doit prendre. La conversion au Seigneur. Giving your life to the Lord is the best decision you will ever make in your life. C'est la meilleure décision. It's the best decision ever. Si la conversion était facile pour toi, if giving your life to God was easy, je me demande. I will ask myself. Mais la conversion, c'est une décision parfois qui fait très mal quand quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur. A conversion is so hard when someone wants to give their life to the Lord. Parce que tu décides d'avoir un seul maître. Because you decide to have one master. Je peux me rappeler jusque maintenant quand j'avais je me suis décidé de donner ma vie au Seigneur. I remember when I decided to give my life to Christ. C'était une décision forte. It was a strong decision. Mais tu avais pris cette décision. Jésus est en train de frapper à ta porte encore. Jesus is knocking at the door tonight. Parce qu'il est Dieu amour. Because he's a God who's faithful. Il est mort à la croix pour toi. He died at the cross for you. Il veut te voir au ciel. He wants to see you in heaven. Il veut pas te voir en enfer. He doesn't want to see you in hell. Il veut te voir au ciel. He wants to see you in heaven. Mais il n'y a pas une autre condition pour aller au ciel si ce n'est que donner sa vie. There's no other condition for you to be up in heaven but apart from give your life to Christ. Être né de nouveau. Being born again, c'est la unique et la meilleure décision qui va ouvrir la porte du ciel. It is the only unique way that will open the door for you. Mais si tu as déjà pris cette décision, if you already made that decision, dans ton parcours pour aller au ciel, in your ways to get to heaven, tu as besoin de prendre jour après jour une bonne décision. That you need to make day by day make a good decision. Amen. Amen. Dans ta journée pour aller au ciel. In your daily days. Pour aller au ciel. In your daily journey. Tu as besoin de prendre des décisions. For you to go to heaven, you need to make a decision. Tu vas perdre parfois des amis. You might lose some friends.
Amen. Amen. Beaucoup de gens savent cela. Many people know that. Tu as des amis qui sont naughty. You've got friends that are naughty. Qui sont méchants. That are angry. Qui font des mauvaises choses. That do bad things. Et toi, tu dis, je veux aller au ciel. You say, I want to go to heaven. Tu dis, je vais perdre ces amis. You said, I will lose those friends. Oh, il m'appelle souvent. Oh, he called me a lot. Oh, ils sont mes amis. Oh, they are my friend from Snapchat. Dans Facebook. On Facebook. Au moins, ils me donnent un peu de joie. And they give me joy. Mais si ces amis-là t'amènent pour rester à Moab. If these friends make you to stay in Moab. Pour rester en train de servir les dieux étrangers. And for you to serve the foreign god. Si ces amis-là continuent à t'amener pour que tu aies plus de soucis. And if these friends are causing you to commit suicide. Si ces amis-là t'amènent à pécher. If these friends are causing you to commit sin. C'est le temps pour toi de décider et d'abandonner ces amis. It is time for you to decide and leave those friends. Et cela va t'aider pour que tu puisses avoir la vie éternelle. And that will help you for you have an eternal life. Naomi a pris la décision de rentrer. Naomi make a decision to go back. It was easy for her because she was from Israel. She had to go back to Bethlehem. But for Ruth, it wasn't easy for her. Parce que Ruth était Moabite. Because for Ruth, she was from Moab. Ruth adorait des idoles. And Ruth was worshiping idols. Naomi lui a dit. Naomi said to her, ma fille, reste. My daughter-in-law, stay. Reste dans ton pays. Stay in your country. Continue à reste auprès de tes pères, ta famille. And stay close to your family. Et reste auprès de tes dieux. And stay close to your God. Les idoles. The idols. Continue à adorer. Carry on with your God of idols. Moi, j'ai décidé de rentrer à ma source. I have decided to go back to my country. Ruth a dit, Ruth moi, said, je ne retournerai jamais. Ruth said, I will not go back. Ne me presse pas de te laisser. Do not press me to leave you. De retourner loin de toi. To go far away from you. Où tu iras, j'irai. Wherever you will go. Où tu demeureras, je wherever demeurerai. You will stay, I will be there. Ton peuple sera mon peuple. Your people will be my people. Ton Dieu sera mon your Dieu. God will be my God. Où tu mourras, je mourrai. Wherever you die, I will die. Amen. Amen. Quand quelqu'un prend la décision pour dire où tu mourras, je mourrai. When somebody makes that decision to say wherever you will die, I will die. C'est une décision qui vient pour changer sa destinée. It's a decision that comes to change your destiny. C'est quoi Jésus que ça dit. That's what Jesus Christ said. Si tu veux me suivre, if you want to follow me, tu dois oublier. You have to forget about yourself. C'est comme si tu acceptes de mourir. It's like you decided to die, your old ways of dying. You have decided to die pour avoir la vie éternelle. For you to have eternal life. Amen. Amen. Ça va te coûter. It will cost you. Ça coûtait Ruth. It cost Ruth. Mais elle avait décidé d'aller parce qu'elle avait compris que le Dieu de Naomi c'était le vrai Dieu. She decided to follow Naomi because she knew the God of Naomi was the true God. Nous vivons dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. That we live in an environment where we've got a lot of things that can distract us. Pourquoi? Why? Parce que l'ennemi sait. Because the enemy knows. Il a très peu de temps. That he's got only a little time. Il a très peu de temps. Only a small amount of time. Et quand quelqu'un sait qu'il a très peu de temps. When someone knows that you've got a little time. Il ne blague pas avec. Oh, they don't waste that time at all. Amen. Amen. Même dans vos affaires. Even in your business. Même dans ta famille. Even in your family. Même dans ton travail. Even in your workplace. Quand la personne a une notion de temps. When somebody's got only a small amount of time, il sait que chaque minute compte. They know every single second matters. Tu vas pas négliger you cela. Will not neglect the time at all. C'est pourquoi on dit, that's what they say. Le temps, c'est de l'argent. That's what they say, time is money. Parce que le monde sait. Because the world knows que chaque minute, every minute compte dans la vie de quelqu'un. Count in somebody's life. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, as you a child of God, tu comprends que le temps a un rôle important dans ta vie. Do you know time has a massive important time in your life? Ruth a décidé. Ruth decided to stay
close to Naomi. Naomi. Amen. Amen. Never give up. Jamais abandonner. Amen. Amen. Dans ta vie, tu as besoin de rester attaché à ce Dieu. In your life, you need to be close to God. Never let him go. Tu es ici en cette église. You are here in this church. Ma prière, my est que prayer tu restes attaché à Dieu. Is to stay attached to the Lord. Parce que tu as pris la bonne décision. Because you made a good decision. De suivre Jésus. To follow Jesus. La Bible nous dit, the Bible says, les disciples ont posé la question à the disciples asked Jesus the question. Nous avons quitté nos familles. We have left our family. Nous avons quitté tout ce qu'on faisait. We left everything that we used to do. We have followed you. What are we going to learn? Il leur a dit, he said to them, sur cette terre, at this time, vous aurez des familles, you will have family. Vous aurez des biens, you will have goods. Vous serez bénis, you will be blessed. Mais avec persécution. Bold persecution. Mais au ciel, but in the heavens, vous aurez la vie éternelle. You will have eternal life. Amen. Amen. Ça, c'est pour nous rappeler. That is to remind us quand tu suis Jésus, when you follow Jesus, tu ne suis pas quelqu'un qui va te faucher. You're not following somebody who's going to mislead you. Même si tu as des persécutions, even that you might face persecution, Jésus est le meilleur employeur. Jesus is the best employer. Jésus est le meilleur parent. Jesus is the best parent. Amen. Amen. C'est comme les parents quand ils dirigent les enfants. It's like when parents they're guiding, they're teaching the kids. Ils leur peuvent les parler un peu dur. They might be harsh on them. Ils peuvent les orienter. They might be nice to them. Ça peut apparaître comme si tu perds. It might feel that you're losing out. Tu peux, no, en tout cas, you don't like me. You might say, no, you don't really like me, Dad. Mais, but derrière cette parole, but behind those words, y a l'amour. There is love. Derrière cette parole, behind those words, les parents veulent voir, te voir réussir. Parents want to see you be successful. Amen. Amen. Et c'est ça le souci de Dieu. That's God's desire. Quand tu auras de toutes sortes de persécutions, de difficultés, jamais et jamais abandonner. Regardless of the persecution you might face in life, but never give up. Naomi a dit, Naomi said, moi, me, I will not leave you. Ruth a dit à Naomi, Ruth said to Naomi, moi, je t'abandonnerai pas. Me, I will not let go Ton of Dieu you. Sera mon Dieu. Your God will be my Ton God. Your peuple. People will be my people. Ça, c'est un acte de foi. That's the act of faith. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth dans la généalogie de Jésus. Today we're speaking of Ruth. Qui est dans la généalogie, donc les gens qui sont nés. The people that was born. Donc sous Jésus-Christ. Tu vois quand on parle de Jésus. When we're speaking about Jesus Christ. On voit des gens qui étaient ses ancêtres. That we see people that was his ancestors. Telle personne a donné la vie à tel autre. Though this person gave life to this person. To this person. Parce que Jésus avait les parents, non? Because Jesus had parents. Amen. Amen. Et ses parents avaient des parents. And these parents had parents. Et quand vous regardez dans Matthieu, and when you look in the book of Matthew, on mentionne Ruth. And they mention Ruth. Comme étant ancêtre de Jésus. She was an ancestor of Jesus. Mais Ruth était Moabite. And but Ruth was from Moab. Il n'était pas Jew. Il n'était pas Jew. And she was not a Jew. Mais elle est entrée dans cette généalogie à cause de sa foi. Because she got in that family because of her faith. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? But what has arrived? Quand elle est décidée, ils sont arrivés à Bethlehem. When they arrive in Bethlehem, Ruth devrait s'adapter. And Ruth had to adapt to a new culture, a new lifestyle. Et Naomi l'a rencontrée. And then Naomi helped her to settle down. Pour qu'elle puisse s'adapter. And for her to adapt. Et Ruth devrait aller chercher la nourriture. And Ruth had to go look for food. Et quand elle allait chercher la nourriture, vous savez que à l'époque les gens étaient beaucoup plus fermés. And as you know, back in the day, people had to go to. Ils devraient semer les blés. They had to plant seeds and from. Et Ruth devrait aller chercher à manger. And Ruth had to go look for food to eat. C'est quand elle était partie. And when she went, c'est alors qu'elle a rencontré Boaz. That's when she met Boaz. Et c'est alors qu'elle est entrée, qu'elle a été bénie. And that's how she was blessed. Dieu s'est souvenu d'elle. And the Lord remembered her. Amen. Amen. Dieu va se souvenir de toi de la manière qui va étonner les gens.
The Lord will remember you in a way that will astonish people. Ça sera pas une logique de monde. It will not be based on the world point of view. La logique du monde a des critères. And the world point of view has criteria. Il dit, tu dois être telle famille. You need to come from the family. Pour que tu aies telle connexion. And for you to have this connection. Il faut que tu aies telle formation. You need to have this type of information. Pour que tu puisses avoir telle chose. For you to have these certain things. Ça, c'est la logique du monde. That's the ways of all human we think. It's true. You can be blessed that way, yes. Mais Dieu a sa façon qu'il veut te bénir. But God has his way how he wants to bless you. Même si la logique du monde n'a pas de sens. Even that the logic of the world doesn't have meaning. Et cette logique, ça ne coïncide pas. And that logic does not make sense. Comme Ruth. Like Ruth. Une Moabite. From Moab. Qui se retrouve à Bethlehem. She found herself in Bethlehem. Comment elle peut se retrouver dans la famille de Jésus? And how did she find herself in the family of Jesus? Ce n'est pas possible. It is impossible. Elle n'est pas juive. She's not Jew. Mais Dieu peut envoyer Boaz. And but God could send Boaz. Dieu peut envoyer Boaz pour te relever. God could send Boaz to lift you up. Dieu peut envoyer Boaz pour changer ta situation. God could send Boaz to change your story. Dieu peut envoyer Boaz pour que ta situation puisse avoir une autre dimension. God could send Boaz for your story pour to have guérir, another dimension to heal libérer, you, to set you free so you can have peace the world cannot give you. Seigneur, ma prière, Lord, my prayer, que mon frère et ma soeur that my brother and sister to understand that Boaz is still exist. Seigneur, ma prière, que mon frère croit encore que Boaz existe. Lord, my prayer is my brother and sister to know that Boaz still exists. Amen. Amen. Dieu est capable de te relever. God is capable of lifting you up. Qui gère les cellules qui sont dans ton corps? What are the things that is in your body? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu qui gère tous les détails dans ta vie. It's God who takes care of all the little details in your life. Je sais que le monde va te dire tu n'as pas de moyens. I know the world might tell you that you don't have this. C'est vrai. It's true. Je n'en ai pas. I don't have it. Je n'en ai pas. I don't have it. Mais Dieu dit. But the Lord said. Boaz peut venir là où il n'y a plus d'espérance. Boaz can come where there's no life, where there's no hope. Oh, gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Dans Ruth chapitre 2, verset. In Ruth chapter 2. À partir du verset 4. From verse 4. Ruth chapitre 2, verset 4. Ruth 2. To verse 4. Oh, gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Ruth chapitre 2. Ruth chapter 2. Verset 4. Verse 4. La Bible nous dit. The Bible says. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur. While she was there, Boaz arrived from Bethlehem, greeted the harvesters. Que l'Éternel soit avec vous. The Lord be with you, he said. Et il répondit, que l'Éternel te bénisse. And the Lord bless you. Ça m'interpelle davantage. That's it's giving me a different point of view. Boaz était un homme riche. Boaz was a rich man. Il vient voir de ses travailleurs. He comes to see his workers. Regarde la première parole qui sort dans la bouche. Look his first greeting. Hallelujah. Amen. Que l'Éternel soit avec vous. May the Lord be with you. Amen. Amen. Ça c'est un message pour les gens qui sont des boss. Those are the message for those that are bosses. Amen. Amen. Il y a une conception aujourd'hui où les gens pensent que les boss ce sont des gens qui ne prient pas. There is a perception that nowadays that bosses that they don't pray, they don't believe in God, they are non-believing. Pour les gens qui sont païens. And money for those that don't believe in God. Ce n'est pas vrai. Which is not true. La Bible me montre des exemples de gens qui étaient très très riche, mais ils craignaient Dieu. The Bible shows me people that were very, very rich and but they feared God. Abraham était très riche. He was very rich. Amen. Amen. Job Job était très riche. He was very rich. Il était le plus riche
riche de la région. It was very the richest man in the et region. Et on parle de Boaz. And the Bible tells about Boaz. Amen. Amen. C'est pourquoi que personne ne puisse pas que personne ne t'intimide. Don't let anybody intimidate you. Commence à avancer, commence à croire que Dieu peut te bénir. Start to believe in you for the Lord can bless you. Et tu peux rester chrétien. And you can still a Christian. Tout en that still have money also. Tu peux rester chrétien. That you can be a Christian. That have financial stability. Amen. Amen. Tu vas pas abandonner ta foi. You will not forget your faith. Amen. Amen. Que personne ne vous trompe. Oh, les gens qui ont beaucoup étudié, les savants, ce sont des païens. Oh, ils sont dans des loges. C'est les mensonges du diable. Don't let people tell you people that have studied a lot, they're in rich rituals, witchcraft. No, 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 no. It's, don't believe that. Parce que nous avons. We have the experience of those who have feed the Lord and the Lord have blessed them. Donc, Boaz arrive. And Boaz is arrived. Verset 5. And verse 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. Boaz then asked his foreman,